La question de la construction botte de paille, elle m'est venue un petit peu par hasard en faisant une recherche sur Internet et en me remettant un peu en question sur le métier du charpentier et comment on le faisait dans l'entreprise dans laquelle j'étais. J'ai fait ma première maison et puis voilà. J'ai créé l'entreprise en fin septembre 2007. Aujourd'hui, on est 9 en tout dans l'entreprise, donc avec Virginie, ma compagne, qui est au bureau. Un apprenti qui se renouvelle à peu près tous les 2 ans, et puis un CDD et le reste en CDI. Notre rayon d'action est d'environ 300 km. Pourquoi ? Parce qu'on a à peu près 80 à 90% de la fabrication qui se fait dans nos locaux à Vosseroux, et donc 10% qui se fait sur chantier, donc très peu de frais de déplacement, d'hébergement, qui forcément sont imputés sur le prix de la construction. Principalement, nos clients sont des particuliers, et ponctuellement des collectivités sur des projets très spécifiques. L'engouement sur la construction paille, il y a plusieurs points. Déjà, le premier point, je pense, c'est l'esthétique. C'est ce qu'on arrive à créer avec la construction paille, souvent ces courbes, ces arrondis autour des fenêtres, dans les angles, qu'on peut très difficilement avoir avec des matériaux contemporains. Le deuxième levier, il est bien sûr l'aspect thermique, parce qu'on est très performant en termes de thermique. On respecte même la réglementation en vigueur, bien sûr, mais les réglementations futures, c'est-à-dire la RT 2020. Et le troisième engouement, c'est aussi, bien sûr, l'aspect local. C'est que c'est un des matériaux qui est issu de maximum 50 km de chez soi. Quand on fait du bon boulot, qu'on est sérieux, qu'on assure les services après-vente, etc., ça fait que de la bonne presse. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en termes de communication, il ne faut pas qu'un moyen, il faut plusieurs moyens. Et donc les autres moyens, bah, c'est bien sûr Internet. Nous, c'est vraiment un des gros secteurs de développement, donc avoir un site à jour très régulièrement. On utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, etc., qui permet, bah, aujourd'hui, c'est des vecteurs de communication importants. On a la chance d'avoir vraiment une bonne équipe bien ancrée qui se plaise au sein de l'entreprise. Et voilà, l'idée, c'est de structurer et de continuer le développement de l'entreprise tel qu'il est.